Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter le biais du survivant ainsi qu'un des enseignements que l'on peut en tirer. C'est parti. D'après la définition de Wikipédia, le biais du survivant est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi mais qui sont des exceptions statistiques plutôt que des cas représentatifs. Illustrons ce concept par un exemple historique datant de la Seconde Guerre mondiale. Au cours du conflit, un grand nombre de bombardiers étaient détruits en opération. Une étude a été menée pour essayer de minimiser leurs pertes. Une équipe a étudié les dommages reçus par les avions rentrés de mission. Ils ont constaté que la majorité des impacts étaient localisés à l'extrémité des ailes, sur la queue et à la jonction entre le fuselage et les ailes. Ces résultats leur ont permis de déterminer les zones à protéger par un blindage pour maximiser les chances de retour des bombardiers. À leur place, où auriez-vous placé ce blindage, sachant qu'il est impossible de le positionner sur toute la surface de l'avion car il serait trop lourd? Contre-intuitivement, il faut protéger les zones qui ont reçu le moins d'impact. En effet, les données proviennent des bombardiers qui ont survécu. L'étude montre donc les dommages mineurs qui peuvent être encaissés par les avions. On peut supposer que les zones sans impact correspondent aux éléments endommagés sur les appareils qui ne sont pas revenus. Ce sont donc les zones sensibles à protéger. Finalement, le biais du survivant, c'est considérer les données relatives aux éléments qui ont réussi, mais qui ne sont pas forcément représentatifs. Tomber dans le biais du survivant, c'est dire par exemple « Les constructions architecturales de nos ancêtres semblaient plus solides que les nôtres au regard des édifices qui ont traversé les âges. » C'est oublier toutes les nombreuses autres constructions qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. Tomber dans le biais du survivant, c'est aussi dire « Les musiques des décennies passées sont meilleures que les musiques actuelles car elles ont majoritairement eu plus de succès que la plupart des tubes actuels. » Là encore, il ne faut pas oublier toutes les anciennes musiques qui ont eu un succès limité et qui ne sont pas parvenues à nos oreilles. Tomber dans le biais du survivant, c'est encore chercher les secrets de longévité des centenaires en s'intéressant à leurs habitudes de vie, sans considérer les mauvaises habitudes de toutes les personnes qui n'ont pas vécu jusqu'à 100 ans. Bref, le biais du survivant est la tendance à considérer les données relatives aux éléments qui ont réussi, mais qui ne sont pas forcément représentatifs. À ce propos, on peut constater que l'on trouve énormément de livres, d'articles, de reportages sur des success stories, de grands accomplissements ou encore les secrets des meilleurs. Mais sont-ils vraiment représentatifs? N'y a-t-il pas plus de perdants que de gagnants? N'a-t-on pas tendance à tomber dans le biais du survivant en surmédiatisant les réussites et en ne s'intéressant pas aux échecs? Je crois que l'un des enseignements que l'on peut tirer de ce biais est qu'en plus de s'intéresser aux gagnants, il ne faut pas oublier d'enquêter sur les perdants. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.